Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière. Notre sujet du jour, Dieu agit en son temps. Mes amis, l'une des choses qui nous est difficile d'accepter en tant qu'être humain, c'est de savoir que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et que Dieu agit en son temps. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, là où il veut et avec qui il veut. Alléluia. Dieu agit toujours en son temps. Et son temps est toujours le meilleur. Voyons cela à travers une belle histoire dans la Bible, qui se trouve dans Luc 8, versets 40 à 56. Et voici il vint un homme nommé Jarius, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, donc aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Cet homme donc vient à Jésus, il se jette à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il croit que ce fils de charpentier peut guérir sa fille et la sauver de la mort, alors qu'aucun médecin n'a pu l'aider jusqu'à maintenant. Aucun traitement n'a marché jusqu'ici. Dieu, il n'est pas un être, chers amis, impersonnel, mais un Dieu disposé à écouter les hommes. Jésus n'est pas insensible à la souffrance humaine, ni à la souffrance de cet homme, ni à ta souffrance, mon ami. Il va accepter l'invitation de cet homme, et là, Jésus part pour aller chez lui. Alléluia. N'est-ce pas une bonne chose mais chemin faisant, Jésus rencontre une femme. Notez, c'est Jaius qui a été chercher Jésus, et celui-ci se laisse arrêter par une femme. Elle vient incognito par derrière. Cette femme, par contre, poursuivait un but précis. Elle a entendu parler de Jésus, elle sait de quoi Jésus est capable, donc pour rien au monde, elle va laisser passer cette chance, ou sa chance. Cette femme sait que Jésus est son dernier espoir. Elle avait tout essayé et rien n'a marché. Elle avait fait preuve de beaucoup de foi. Jésus l'a en quelque sorte récompensée en lui offrant ce qu'elle savait pouvoir obtenir de lui, la guérison, un miracle. Nous avons déjà parlé de cette femme, n'est-ce pas Alors mes amis, quel encouragement pour Jairus, ce chef de la synagogue Il va se dire, si une femme si impure, si pécheresse, si malade, guérit instantanément et complètement seulement en touchant les vêtements de Jésus, alors il y a de l'espoir pour ma fille. Malheureusement, les choses vont s'aggraver et il apprend une très mauvaise nouvelle. Luc 8.49. Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci, Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Ô oh, mes amis, essayons un instant de le mettre à la place de cet homme. Le courage qu'il avait il y a quelques instants en voyant cette femme guérie, tout à coup est devenu le découragement le plus amer. Plus d'espoir, trop tard, terrible, j'ai été trompé, quelle injustice, pourquoi moi, pourquoi ma fille, qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour mériter cela J'étais un bon fidèle, pourquoi est-ce que Dieu a permis que ma fille meure Et pourquoi est-ce que Jésus m'a donné un faux espoir Jaius donc est sur le point d'abandonner le Seigneur, lui tourner le dos, au revoir Jésus, c'est fini. Tu m'as déçu. Bye bye. Mes amis, quel que soit ce que nous pouvons penser de cet homme ou de Jésus, il y a une chose dont je suis sûr c'est que Jésus, lui, ne nous abandonne pas. Il est toujours là et il entend toujours. Dieu répondra à tes prières, mon ami. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dans le psaume 91, verset 15, il est dit Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai. Voilà les promesses que Dieu nous a faites. Oui, au fond de ta détresse mon ami, Jésus est avec toi. Oui, dans ton désespoir, Jésus est avec toi. Dans ton deuil, Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Dans ta détresse, dans ton épreuve, tu trouveras des gens qui seront toujours là pour te juger, te condamner, te décourager, te pousser à abandonner. Mais il faut garder confiance mon ami. Dans le 8.49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant Ta fille est morte, n'importe pas le maître, n'embête plus le maître. Il t'a déjà déçu. S'il n'était pas resté, causé avec cette femme indigne, ta fille serait pas morte. Allons faire des démarches pour la vie mortuaire et l'enterrement. Mes amis, lorsque nous passons par des moments difficiles, des épreuves, des tentations, il y a toujours des gens négatifs qui sont là pour vous enfoncer et raconter des choses négatives et briser votre foi qui est déjà faible. Mais je dirai Alléluia. Malgré le bruit de la foule, Jésus entendit le serviteur dire à cet homme que sa fille est morte. Jésus dit à cet homme Et il me dit aussi N'aie pas peur, crois seulement, elle guérira. Alléluia. Malgré la profondeur du péché, la maladie, l'amertume du deuil, malgré ta détresse, le désespoir et l'échec, mon ami, quoi, quand tu ne peux pas comprendre? Quoi, quand tu ne peux pas suivre? Quoi, quand tu ne peux pas espérer? Alléluia. Alors que tu es en train de réfléchir, je t'invite donc à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous savons que tu es un Dieu qui a toujours existé et tu es indépendant de toutes choses. Cependant, bien que tu sois totalement indépendant et autosuffisant, tu as choisi dans ton amour de faire en sorte que la création et tes créatures te glorifient et te procurent de la joie. Alléluia. Alors, quel grand privilège nous avons du fait que tu as décidé de te réjouir en nous, qui sommes tes enfants, et de nous permettre de te procurer joie et gloire. Amen. Oui, Père, c'est pour cette raison que tu n'es pas insensible à ce que nous vivons sur cette terre. Car ce que nous vivons t'affecte au plus haut point et tu veux nous en délivrer et nous apporter la joie, le bonheur et l'épanouissement. Alléluia. Notre Père, à travers l'histoire de Jaïus, tu nous dis que quand nous croyons à tes promesses, nous trouvons le chemin pour que ta puissance, ta direction et tes miracles s'opèrent dans notre vie. Tu nous dis que qu'importe notre besoin, ou le problème, ta parole a une solution pour chaque problème, chaque besoin, chaque péché, chaque maladie et chaque détresse. C'est dans des situations sans espoir que Jésus ton Fils nous donne une parole de réconfort. Tu nous dis, ne crains pas, crois seulement. Seigneur, la mort parfois est l'occasion pour toi de montrer ta toute puissance infinie et ta grande miséricorde. Oui, Seigneur, lorsque nous sommes dans une situation sans issue, Lorsque humainement tout espoir est perdu, nous pouvons nous approprier ta parole. Tu nous aimes et tu disposes de toutes choses pour notre bien. Nous sommes souvent impatients de te voir répondre à nos prières, donner satisfaction à nos requêtes. Nous oublions parfois que ton temps n'est pas notre temps et que tu fais ce que tu veux parce que tu es Dieu. Jaïus croyait que tout était fini pour sa fille, mais tu es passé par là. Oui, Père. Quand ton fils Jésus passe quelque part, quelque chose se passait toujours. Notre Père, c'est le moment pour nous de manifester notre confiance en toi, de ne pas céder aux craintes les plus légitimes et d'attendre en paix ta délivrance. Peut-être ne viendra-t-elle pas sous la forme d'un miracle aussi spectaculaire qu'une résurrection, mais nous croyons que tu honores toujours celui qui a la foi en toi. Alléluia. Nous pouvons être assurés dans la foi que Dieu, qui est le Dieu des miracles, entend nos prières. Il est un Dieu tout-puissant. Ta parole déclare la prière de la foi sauvera le malade. La maladie et autres peuvent nous mener dans toutes sortes de tentations, l'impatience, l'agitation, l'anxiété, le fait de se plaindre constamment. Mais Tu nous invites à te faire confiance car Tu sais ce que Tu fais et comment le faire et tout ce que Tu fais c'est pour notre bien. Alors, Seigneur, augmente-nous la foi, s'il te plaît, et aide-nous à nous reposer sur toi et tes promesses. Notre Père, merci d'avoir entendu notre prière en cet instant, et veille l'exaucer, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, que nous t'avons prié et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen.